Yo tout le monde, c'est Tanner. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. C'est que je vous présente un hébergement web pas trop cher, ça reste du raisonnable, pour remplacer du coup la vidéo de Inovins qui a fermé. Donc pour le Discord, c'est simple, hein, information pour les informations et les liens du Discord. L'hébergement web, bon, du coup, toutes les formules, donc la offre essentielle, expert, premium, avec des tarifs différents, des espaces disques différents. Donc voilà, tout ça, c'est à voir. L'état du réseau, bon, ben pour le moment, là, rien. Discussion, bon, pour quelques discussions. Le support pour créer un ticket. Et puis, ben, Discord, enfin, le support vocal. Donc, pour l'accès au site, bon, c'est du coup avec l'URL blesk.ckinfo.fr. Donc, avec un nom de domaine comme Inovins temporaire, un nom de domaine pas très beau à utiliser, mais c'est temporaire le temps que vous achetez un nom de domaine sur Freenom ou sur autre support d'installation de nom de domaine. Donc, du coup, site web, on peut créer du coup une boîte mail. Donc, bon, ça, c'est celle, on va dire, créée de base. Les applications, donc, tout ce qui est WordPress, ce genre-là, Drupal. On installera après un WordPress. Donc tous les fichiers, donc c'est dans le HTTP doc qu'on retrouvera le site. La base de données, les statistiques. Donc bon, voilà, on n'a rien utilisé sur l'espace disque ni dans le trafic. Hein, donc le compte, donc on peut voir la formule, donc la formule essentielle, donc celle à 1 euro il me semble, la date de configuration, donc le 20, la date d'expiration le 20, espace disque, donc voilà, on voit un petit peu la formule, choisit l'option d'hébergement, donc voilà, on a les droits, on va savoir si on les a ou pas, et les autres services comme ceci. Donc après WordPress, bah, c'est ce qu'on va faire, on va installer WordPress sur le site Busy machin, Mountain YT, donc je le thème, on va prendre quoi, et WordPress essentiel, je sais pas ce que ça donne, un nom d'utilisateur WordPress, une adresse Gmail, un mot de passe, donc de toute façon ça a rien de les recopier parce que ça va être supprimé je pense, juste vraiment pour la vidéo. Donc voilà, installation de WordPress, je ne veux pas enregistrer le mot de passe parce que là actuellement il ressemble à quoi? Actuellement le site, voilà, c'est juste une interface comme ça. On va essayer d'aller dessus. Bon, bah, il a déjà installé le WordPress, il était rapide. Mais sinon, voilà, ça ressemble à un truc, bon, c'est pareil. Et un truc tout simple hein, en fait, hein, juste pour nous connecter, tout ça. Donc voilà, WordPress installé. Ce jeu est en cours d'installation sur le site web WordPress. Donc ce jeu, c'est le jeu essentiel, le pack que j'ai choisi tout à l'heure dans l'option. Donc on va attendre qu'il charge. Donc bon, on va le laisser en anglais. Donc on voit un petit peu. Bah, c'est du WordPress, hein, de toute façon, on verra l'interface une fois que je serai connecté. Puis là, on peut faire du coup normalement. Application, si je dis pas de bêtises. Non. Allez, bon, ça, on s'en fout un petit peu. Voilà. Donc, on peut aller. Je sais plus trop où c'est. WordPress, voilà. Donc, on peut se connecter ou faire une configuration. Donc, on va faire se connecter. Et voilà, on a notre panel WordPress où on peut faire du coup des mises à jour. Ah, bon, voilà, c'est les derniers. Donc, c'est bon. Et on a le SO. Oh, on a normalement quelques extensions, si je dis pas de bêtises, donc voilà, qu'ils ont été préinstallés. Donc le limit login, le WP Supercache, le SEO. Ouais, donc voilà, ça c'était avec le pack prédéfini dans la station de WordPress. Et puis du coup, voilà, on peut créer des pages, on peut tout faire, quoi. Enfin, du WordPress, quoi. Je vais pas vous pousser à prendre la WordPress. Et puis voilà, donc dans les fichiers on peut voir qui ça a été mis, voilà, dans HTTP doc, donc voilà, si normalement il a créé une BDD, hein, donc voilà, c'est tout à l'heure. Et puis voilà, hein, donc il est sécurisé par un certificat SSL, donc tranquille. Hop, je vois. Donc, bon là c'est la formule essentielle, donc du coup je ne peux pas créer de domaine en plus ou de sous-domaine.
Celui-là, bah, je peux changer si jamais j'ai acheté un sous-domaine, enfin un nom de domaine du moins. Donc, par exemple, tinery.fr. Donc, voilà, je pourrais le mettre là. Plus qu'après à faire la redirection des DNS, mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, on peut cloner, le sauvegarder, le copier les données, les logs, ouvrir WordPress Toolkit, qui peut être encore pas trop mal. Donc, on peut supprimer du coup les extensions, le plugin du moins, les thèmes. La base de données, voilà, on a un peu plus d'informations, le PHP, la version du PHP, la sécurité, et peut activer tout ça ou pas, après à vos risques et périls, parce que je crois qu'il y en a qui peuvent casser le site, hein, donc je sais plus trop c'est lequel. Je sais plus trop c'est lesquels, mais je sais qu'on peut casser le site assez facilement en activant une option si on ne s'y connaît pas, hein, donc le mode maintenance. Voilà, activé, hop, il passe en mode maintenance. Donc, je voulais pas ajouter un article, mais voilà, maintenance modifiée. Donc, voilà, ça c'est vraiment top, hein, c'est vraiment bien conçu, là, pas de problème. Pour avoir un site, une démo ou je ne sais pas, une version commandée, rien de plus compliqué, créer un ticket. Hop, donc maintenant, je vais là-dessus. Donc, bonjour, je souhaiterais. Tester une offre web plus gourmande, plus évoluée. Ouais, bah, je pense que ça va être cool. Donc voilà, après, il faut attendre que le gérant s'en occupe et puis après, voilà, il va répondre par là, nous dire si c'est bon ou pas. Et puis, voilà. Donc, bon, moi j'ai pas besoin d'infos gourmandes, c'était juste pour la vidéo. Donc, c'est bon. Je peux fermer. Oui. Bon, ben voilà. Après, j'ai plus qu'à aller sur un autre channel et puis ça disparaît. Enfin, voilà, c'est du très simple. Là, pas de complications là-dessus, on peut créer vraiment des boîtes mail, ça c'est vrai que c'est pas mal du tout. On peut activer le service, je sais plus si je regarde, je sais plus si j'ai beaucoup d'adresses mail. Bah, j'ai le droit qu'à une seule boîte mail, donc apparemment celle qui est déjà intégrée au truc. Activer, désactiver le service, activer, hop. Donc ça c'est, je pense, parce que c'est un nom de domaine un peu à l'arrache. Ben, c'est parce que c'était les paramètres, voilà. Je sais pas pourquoi je t'ai dit dans les paramètres, il fallait peut-être les activer, puis après voilà, je peux créer une adresse mail comme je veux, hein, donc Tainer YT, et puis voilà, avec cette adresse mail là, l'adresse externe, si jamais je veux me réinitialiser. Le mot de passe, enfin voilà, on peut vraiment faire pas mal de choses, c'est vraiment bien poussé là-dessus. Et puis voilà, je vous dis ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo, je vous mettrai les liens, bien sûr.